Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Let's Play de The Evil Within. Si je ne m'abuse, c'est l'épisode 6. Donc, j'ai exploré la zone du théâtre, bon, pas le théâtre, la zone autour du théâtre, pour récolter un peu tout ce qu'il y avait. Donc, s'il y a quelques petits lags en vidéo, c'est assez normal. Je suis en train de streamer en même temps. Donc, on va regarder la dernière diapo qu'on a récupérée et on va parler avec Kidman. C'est moi, Kidman. Heureuse de vous entendre. Après Beacon, j'ai essayé de comprendre tout ce qui m'était arrivé. Mais tout le monde disait que j'étais fou, ou que je cachais la vérité. J'ai commencé à croire qu'ils avaient peut-être raison. J'étais peut-être cinglé. Je me sentais tellement frustré. Inutile. Boire était le seul moyen d'atténuer la douleur. Tellement de temps gâché. J'aurais pu faire tellement de choses. Putain. Pas la peine de vous en vouloir. Quand Mobius n'a pas envie qu'on les trouve... Ne me cherchez pas d'excuses, Kidman. J'ai merdé. Écoutez, ce n'est pas le moment de ressasser le passé. C'est le moment de rattraper les choses. C'est en vous apitoyant sur vous-même que vous avez commencé à boire. Vous avez une chance de retrouver ce que vous avez perdu, gardez ça en tête. Pas facile. Mais c'est vrai. Vous avez raison, Kidman. Merci. Hop. Donc, toujours les diapos, on est à 5 sur 11. Ça commence à avancer. On commence à arriver à la moitié du jeu. Donc là on va pouvoir sortir et aller au théâtre pour la quête principale. Parce que je crois que je n'ai aucune autre quête à faire. Le théâtre, au quartier des affaires, là-haut. Sinon j'ai tout exploré comme j'ai indiqué tout à l'heure. Alors... Hop, j'ai un peu amélioré... j'ai amélioré tout d'abord mon pistolet au max. Et ensuite j'ai amélioré fusil de précision un petit peu au niveau des dégâts. Comme ça, ce sera bien pour les boss et les ennemis assez chiants. Je préviens, vous devriez pas trop laguer, moi je, comme vous, comme sur Twitch, ça fait un, comment dire, un bitrate stable. Alors le théâtre. Hop, quartier des affaires. En haut. Normalement il devrait pas avoir des dégâts, je les ai tous tués. Je savais pas que ça faisait mal, très bien. Je viens de me faire surprendre moi-même. Ah, ça commence bien. Ah, une plante. Oui, j'ai beaucoup de plantes. D'ailleurs, je suis full serein, je crois. Ouais. J'ai aussi amélioré un peu mon personnage, j'avais 30 000 de gel. Hein. Autant les utiliser. Alors par contre, là, je ne suis pas allé. On profitait pour regarder en même temps. Ah bah d'ailleurs, voilà qui tombe bien. Ah oui, d'accord. Toujours aussi détruit à ce que je vois. Bonjour. Le Loi Viritas. Ah mais oui, mais c'est un objectif en fait. Là c'est la référence de l'objectif. Asmodeus, d'accord. Veritas Asmodeus. Je crois que je peux pas aller là-bas. Tiens. Je crois que j'y suis déjà allé. Ouais, j'y suis déjà allé. Comme j'ai dit, allez, on va faire la quête principale là. Arrête de grogner. Le grand théâtre. Ce tableau, on l'a déjà vu. Je vous du moins, je l'ai déjà vu quelque part dans le jeu. Je me rappelle plus où. Celui-là, je ne l'ai pas vu. Ça sent quoi, son délire à lui. C'est l'art. Lily est à l'intérieur. L'art pour Stefano Valentini. Vous n'avez pas apprécié la performance de ma superbe Obscura. Peut-être que vous aimerez mieux ceci. Écoutez. Non, à l'aide, quelqu'un. Je prépare. Allô. Plus grand chef-d'œuvre.
à respecter mon art. Écoutez. Écoutez leurs cris. Les échos de mon travail. Respecter son art, hein? C'est le moment d'essayer la théorie d'Hoffman. D'accord, donc si j'avais su ça, je serais venu un peu plus tôt. Bon, bah on y va, hein. Ouais, bon, j'ai des baisses à 45-50 FPS, c'est pas bien grave. Pour vous, c'est quand même du 60 FPS. Je sais pas comment ils font d'ailleurs Twitch pour optimiser à 60 FPS. Comment ils rattrapent les images? Mais j'espère que c'est pas trop dégueulasse, ça. On va continuer à être 3. Si jamais on tombe sur la folle à plusieurs têtes, on va lui mettre un coup de fusil. Fusil de précision, voilà. Il devrait le faire. Non. Pas de fusil de précision, j'ai rien dit. Pour elle, c'est autre chose. Je crois que c'est sur cette tête. Ah oui, mais ça y est, je me rappelle où j'ai vu le tableau. Donc ici, le devil spawn. Et là, il faut aller dans l'arrière-boutique pour voir le tableau. Mais avant tout... Non, il n'y a rien, j'étais déjà venu ici. Oh. Ça, c'est de l'art. C'est juste une photo. T'es sûr? Je vais te lacérer la gueule. Bah... Calmez-vous avec les bruits brusques, ça me fait peur. Ah, ça c'est pas un super. Oh non. Encore Mette cette zone. Fermé. Bon, du coup, une clé ou quelque chose. J'ai pas à m'inquiéter dans ces zones-là. Ne crie pas. Tu deviens une œuvre d'art. Tu vas faire partie de moi l'Obscura. Obscura qu'on a vu dans l'épisode 5 qui était un sacré paquet. Sacré morceau. Ah, la chair. Moins malléable que l'argile, mais plus douce encore que le marbre. Le matériau parfait. Ah, impossible de se concentrer avec ces cris. Une sculpture n'a pas besoin de langue. Sacré petit copote, hein. D'accord. C'est tout. Encore l'œil. Ah merde, la grille s'est rapprochée. Non, c'est pas que la grille s'est rapprochée, c'est juste qu'on est dans une nouvelle zone. Viens. Viens, mon petit. J'ai gaspillé des balles, tant pis. Une hache, je crois que j'ai toujours mon ancien. Hop, le succès pour embuscade. Pas encore pu le faire celui-là.
J'ai le fusil, le pistolet silencieux, mais je vois pas trop l'intérêt d'utiliser. Plus de gel. Tant pis. Hop, voilà qui est mort. On va chercher la nouvelle hache. Donc la hache qui tue généralement en un coup les zombies basiques. Heureusement que c'est bien optimisé quand même en zone fermée. Hein. J'ai l'impression que The Evil Within n'était pas encore prêt pour le mode world. Y'a rien d'autre. Ah, on continue. Allons sauver notre fille Deli. Quoi ? C'est ce que j'ai fait bon sang. Ah bah j'ai pas fait assez rapidement peut-être. J'ai pas couru. Lui ça sent tellement le boss. Je sens tellement. Voilà mon œuvre d'art. Eh oui, bien sûr. Les objets. Oui. Et donc... Hoffman, j'espère que vous aviez raison à propos de ce truc. C'est parti. Nice. Le premier est tombé. Donc faut le deuxième. Et le deuxième, j'ai jamais vu. Détruire le travail de Staré a vraiment un effet thérapeutique. Mais ça n'est pas encore fini. Encore un. D'accord, il est tout au tout là-bas. Non, j'avais cru entendre un. Oui, non, c'est juste des petits bruits ambiants. Que je vais peut-être pas aller là. Si, si, je suis allé. Je m'en souviens. Ouais, non, pas dans ce bâtiment. On va y aller juste après. C'est fermé. Ici on peut. Ouh, très bien. J'ai 6 poudres, enfin j'ai 8 poudres à canon donc je peux faire 2 balles de pistolet. Là je crois que j'ai tout. Non. Cet arbre me paraît suspect. Je pense à une statuette derrière. Eh ben non, pas de star trouette. Ah.
D'accord, ça coûte moins cher, je savais pas, ok, merci DJ. Une main. Elle a perdu la main, ouais. Oui, donc je suis aussi en live, c'est pour ça parfois je réponds aux utilisateurs qui sont en live. Enfin, ou YouTuber. Ok. Bon. Montons à l'étage, parce qu'on va pas monter au grenier. Ah bah si, justement, grenier, si, mais à la cage, je voulais dire. Personne. Encore une fois. Finissons-en. Ah bah d'accord, il a même pas cherché à... Oh non. Oh, pas elle. Non mais en fait c'est pas un monstre que je suis venu celui-là. J'ai confondu avec un autre. Ah si, c'est Obscura. C'est Obscura. Bien. Ça devrait me rapprocher un peu de cette œuvre. Merde. Je peux peut-être l'éviter. Bonjour Obscura. Au revoir Obscura. Oh Obscura, casse-toi, s'il te plaît. Je vais même pas chercher à l'éviter en fait. Allez, salut hein. Je suis passé. Avec un peu de chance, ces trucs me laisseront tranquille. Je pensais que c'était un autre que je pouvais tuer, mais celui-là, Obscura, n'est pas tué. Par ce côté-là, je pense. Là c'est logique. Hop là. Et voilà. Ça c'est bon. On peut maintenant entrer dans le théâtre. Les deux sont détruites. Ça devrait avoir marché. Voyons si je peux entrer dans le théâtre maintenant. Je prévois des ennemis. Est-ce que j'ai un atelier pas loin? Y'a un atelier ici? Non, y'a pas d'atelier. Bon, pas grave. Hop, on y fonce, on y go, on va tuer du Stefano. Il manque cet œil dégage de la zone et là c'est chiant. J'en suis... Je suis où? Je suis là, je devrais peut-être sauvegarder avant.
sauvegarder, régénérer et crafter des munitions. Et si je sais que s'il y a un boss, je veux le faire au fusil à pompe. Enfin, un fusil de précision. Pas le fusil à pompe. Le fusil à pompe est pas très très bien. Enfin, pas celui-là que nous essayons. Sauvegardons. Ah oui, mais non, mais. En fait, il n'y a pas d'atelier. Ça sert pas à grand chose. Je vais là-bas, il n'y a pas d'atelier. Hein. Ah oui. J'ai oublié qu'on pouvait se téléporter dans le mur, ouais. Fabrication. Ah oui, ça coûte bien moins cher. Ah oui, si j'avais su ça plus tôt. J'aurais su ça plus tôt. Simplement. Allez. Que nous réserve le théâtre ? Je sais pas à quoi il me fait penser ça. Je crois qu'il me fait penser au boss final de Prey. Je crois que c'est à ça qu'il me fait penser. Enfin, au boss final, façon de parler. À la créature finale. Non, ça, je crois que c'était énervé, mais c'est juste un. Ah non, mais qui a bugué dans la voiture. On peut pas y aller, hein. Ouais, bien sûr. Je sens que ça va être une bonne zone, ce théâtre. Ça va être une zone, on a fait l'hôtel de ville. On peut pas fouiller dans les poubelles, là. Une tête, ça... C'est bizarre, quand même, ce Stéphane. C'est un peu un psychopathe. Hein. Je pense que cet endroit-là sera le dernier endroit de Stéphano. Chapitre 8, premier. Oh, t'inquiète, Gigi. Au bout d'un moment, on s'habitue. Vous pensez détruire mon travail? Vous pensez que je vais me plier à votre volonté? Vous êtes comme eux. Qui croyaient pouvoir me remodeler en quelque chose que je ne suis pas. Ce qu'ils ont créé ici, c'est merveilleux. Et ils le gâchent, parce qu'ils n'ont aucune imagination. Parce que ce ne sont pas des artistes. Ils veulent me contrôler, me manipuler. Manipulez pas, nous. Mais vous avez tous échoué. Parce qu'avec la puissance du noyau, je peux créer mon art pour toujours. D'accord, mais... Quoi sert véritablement? Quel est son véritable pouvoir? Je sais qu'il amplifie les capacités des... Enfin, il amplifie les pouvoirs déjà des personnes. Comment? Bien savoir. D'ailleurs, chapitre 8 sur 17, hein, on avance pas. Oh non. Encore cette musique. Il devient aussi culte que la musique du miroir. Oula. J'ai attendu ça. J'ai attendu ça toute ma vie. Toutes mes deux vies. Fini de lutter. Fini les critiques de Béotiens. Fini de céder aux avis ineptes de néophytes ignorants. Fini la répudiation par les simples d'esprit. Je suis enfin libre d'être ce que je suis réellement. Un artiste. Ouais, plutôt dire un psychopathe. Connaîtra enfin et fait
Ok, ouais, bon alors on est vraiment à la moitié du jeu. Hein. Avec tout ce qu'on a déjà récolté, y a pas à chercher. Hein. Je suis rentré. Ah. Oh merde. Qu'est-ce qu'il a fait à ces pauvres gens? Non, 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 non. Cette traque a été très amusante. Mais même les plus grands spectacles doivent avoir une fin. Oh bah c'est toi qui le dis, c'est toi l'artiste. La fille, hein. Où est-elle? Je vous félicite d'être arrivé aussi loin. Si la persévérance était une forme d'art, vous en seriez un maître. Peut-être pas un Michel-Ange, mais au moins un Van Gogh. Ça suffit les tirades artistiques à la con! Où est-ce qu'elle est? Le noyau est sauf. Avec moi. Je l'ai emmené sur ses ordres. Mais quand j'ai réalisé l'étendue de ses immenses pouvoirs... Ah, comment aurais-je pu la laisser? Ce que je fais est bien plus important qu'un vulgaire profit personnel. Il n'aurait jamais pu comprendre ça. Il? Qui ça, il? Ça n'a plus d'importance. Il ne sera bientôt plus là. Alors que mon travail, lui, perdurera. Kaboom! Picasso a eu sa période bleue. Pour ma part, je suis entré dans ma période écarlate. Merde! Non! Arrêtez! Admirez ma dernière création. Non! C'est vrai que c'est pas mal stylé. Magistral. Un bouquet de chair et de sang. Espèce de malade. Comment pourrais-je jamais faire mieux? Je trouverai un moyen. Sa peur est une source intarissable d'inspiration. Il se nourrit de la peur. Rien de tel que la corruption de l'innocence pour attiser le feu de ma créativité. Quelques décalages sonores. Vous ne pouvez pas la voir. Vous ne ferez rien de sa puissance. Vous êtes un Néandertal. Vous ne comprenez rien. Elle sera inutile entre vos mains. Ah ouais, d'accord, un peu fucked up, hein. T'encadrer, connard. Va t'en suivre. D'accord. Donc la loi de la physique est toujours... De... Et bon, j'ai compris.
Ouf. Bon, ça va, tranquille. Si c'est juste que de l'infiltration, on va être rapide, hein. Pas vraiment de difficulté, je pense. Bon, là, je sais qu'il y aura rien à récupérer, hein. D'accord, c'est plus à la verticale. Se trouve là-bas. Oh là là. Hop, donc c'est la deuxième phase, il doit y avoir 4 phases ou 3 phases en tout. Hop. Oh, feu d'eau là, d'accord. Bon bah très bien, hein. C'était que ça, ça va être rapide. Bon, où t'es passé, bordel ? C'est un passage rapide au théâtre, hein. Je suis rentré. Oh merde. Pourquoi ai-je l'impression... La drôle d'impression... que ça va être Obscura. Ne vous inquiétez pas, inspecteur. Ça ne fera pas mal. Mais oui, Tatiana. Je te crois. Et on doit le pistolet. Et 100 pièces détachées. ...7000 pour profil bas, ici je peux en prendre encore... 3000... ...ça... Ouais non... Je crois que je vais vraiment économiser jusqu'à par les 75000 pour le ralenti synaptique, hein. Ça pourra mettre une forte... très utile. Bon, sauvegardons. Je sens que je vais galérer une ou deux fois sur cette map. Ou alors peut-être pas, peut-être que je vais la one-shot. Hop là, tiens. Ouais, la musique a quelque chose, quoi. Évitez de toucher les ampoules. On se retrouve ici, la zone du début. Où il y avait une meuf qui m'avait fait flipper. Venez, je vous attends. Ma prochaine œuvre sera incroyable. L'absorption totale de sa puissance. La soumission de sa volonté. Ce sera de l'art dans tous les sens du terme. Mais peut-on avoir de l'art sans public ? J'ai besoin de vous pour que mon œuvre soit complète. C'est pas comme ça que ça va finir. D'accord. Plus on approche, plus le visage de Stefano se met sur les portraits. D'ailleurs, cet escalier me fait... C'est la disposition de ces tableaux me fait penser au. À la disposition dans Layers of Fear. J'appuie par là, putain.
Ouais, bah du coup, j'ai un ticket, je peux pas en prendre un deuxième. Téléphone ne sonne pas. Et c'est parti. Allez, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Juste maintenant, on va se cacher, pas de problème. Ah. C'est donc censé être ma salle de bord. Intéressant. Et donc l'appareil photo. Ensuite, plus de petits jeux. D'accord. Vous commencez sérieusement à m'ennuyer. Et voici le boss. Votre mort sera de l'art. C'est le moment d'y apposer ma signature. Vous allez souffrir. Oh, bon sang! Vous commencez à m'exaspérer. Riposte! Faut que j'arrête de gaspiller. Me vaincre. Vous ne pouvez pas m'échapper. Touché pourtant. Je suis là. Ou peut-être là. Alors, moi, j'ai plein de munitions, de pistolets à pompe, de fusils à pompe, de pistolets à pompe. Vous allez le regretter. Vous ne pouvez pas m'échapper. Pas tirer dans les tableaux avec. Attends, tu parles. D'accord, je vois. Me vaincre. Ne bougez pas pour la photo. Ne bougez pas. Vous allez avoir mal. Vous ne pouvez pas m'échapper. Hop. Oh non, c'est bon. Vous n'avez pas été encore là. J'en ai assez. Préparez-vous à mourir. Très bien. On aurait terminé. Il ne restera rien de vous. Je vais m'occuper de votre cas. D'accord. Vous allez me le payer. Vous ne pourrez pas vous cacher éternellement. Saignez pour moi. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Saignez pour moi. Non. J'en veux d'armes. On va se servir un peu de cette arme. Il ne restera rien de vous. Ah oui. Je suis à l'abri là. Déjà
Non, voilà. Ah si. Bon, d'accord. On va avoir une dernière. Ah non. Présentation. D'accord. J'avais encore tant à créer. Vous avez détruit mon testament au monde. Regardez-moi. Vous avez fait de moi un chef-d'œuvre. Il doit perdurer. Si seulement j'avais mon appareil. Où est-il ? Chérie, je sais que c'est ce qu'ils t'ont dit, mais c'est faux! Lily, s'il te plaît, je... Sors de là, Lily. Tu n'as pas à te cacher. Rue féminin. Ou plutôt... Mira. Viens voir maman, Lily. Je te protégerai. Mira. Va-t'en. Tu ne l'auras pas, tu m'entends ? Te voilà, mon cher. Voilà, ça c'est fait. Mira. Je serai là pour vous. Et quelqu'un d'autre sera à l'intérieur pour vous. Kidman. Elle était au courant pour Mira. Mais je vous tuerai si vous me laissez entrer. Merde. Oh. On n'est pas dans la même zone. Attends, il y a bien une collectable ici. Oui, clairement. Côté de la matière visqueuse. Un grand X rouge. Ça, c'est de l'art. Le chat. Chaton. Chaton. Qu'est-ce que c'est que ça ? Où est le miroir ? Je veux voir le chaton. Ne dites pas que vous l'avez pendu. Sans le faire sinon.
la poupée de Lily. Ce serait une sorte de téléporteur. Ce symbole me dit quelque chose. J'ai dû le voir dans le vrai monde. Possible. Merci pour la poudre. C'est le même symbole que dans un tout à fait. Le même symbole que Beacon. Ouais, on fait un foot. Allez, allons-y. Cet endroit va bien me faire flipper, je le sais déjà. Bienvenue, quêteur. Vous venez chercher des réponses. Je suis là pour vous aider. Qui est là? Et Jésus. What? Ouais d'accord, elle est assez folle cette seringue, hein. Elle sautille. Rien d'autre, je crois. Ouh là là, j'ai eu peur. Oh merde. On dirait qu'il a été brûlé vif. Ouais, possible, mais... Je pense qu'il y en a pas beaucoup. Des instruments de torture. Ces trucs du Moyen-Âge. La Vierge de Fer. La seule Vierge qui sait. Je sais pas. Bah alors... Et du viol? Oula. Voilà. Je sais pas. Si j'ai l'impression que c'est une grande zone. Lui il va se réveiller. Comme tu l'as vu, viens de voir. Ici c'est pour plus tard si je m'abuse. On va aller là-bas. Ouh. Ça va. Oh les mecs. On fait pour qui? Peut-être pas dû faire ça. Voilà. Utiliser le soin pour soigner le reste de peu que le reste de vie dont j'ai besoin. Ça va bien? Pas beaucoup. Je veux plus être accroupi que debout en marchant, donc c'est pour ça que je suis toujours accroupi. Bon, on sera 100% dans cette allée.
final, je sais pas si c'est là-bas que je dois aller ou pas. Bon, là, ça a l'air d'être la suite. On va retourner en arrière. Je veux rien louper. Ou je préfère être prudent, c'est... Dans le jeu, on sait jamais. Bon, on a pas beaucoup de munitions, j'ai pas envie d'en perdre inutilement. Est-ce que ça on peut marcher dedans? Hop. Un ennemi juste là. Même pas. Pas de statueuse ici? Non. Comme maintenant je sais qu'il y a de la... Ouais, toi je m'en doutais, tu vois. Tu es insensible au visage ou je rêve? Quel était ce visage? On va peut-être juste les faire tomber. Hein. Alors, il a une balle dans le pied. Point de flèche donc. Alors. Si tu prends ça sur le pied, ça doit faire mal, hein. Il y a des pics. Et là, on va découvrir les gros lourds de jeu. Une vierge de fer. On va ouvrir toutes les cellules. Bon, on a rien à craindre. C'est quand on ouvre vers ça que ça ouvre. Et toi, voyons. Toujours aussi surprenant. Ça s'ouvre ici ou pas? Non. Ça s'ouvre ici ou pas? Non plus. Bon, on va aller tout là-bas, dans la zone bien ça. Des cages, toujours des cages. Quoi, ils vont tous se réveiller, j'ai bien amusé, ouais. Non mais... Qui t'a dit de monter, quoi? Bon ben, qu'on faut y aller. Alors faut qu'on m'explique comment les roues derrière peuvent bouger alors que la roue centrale ne bouge pas.
vraiment qu'on m'explique. Magie, magie. Non. Couché. J'ai dit couché. Allez. Mais ça marche pas apparemment. J'ai dit lâche-moi. Coucou. Un petit mal de crâne. J'ai du Doliprane, si tu veux. Oh mon dieu, j'ai fait de la pub. Non. Ok, très bien. Alors, on peut expliquer pourquoi j'ai réussi à tirer ici alors que mon canon dépasse la zone. Ok, très bien. Les bugs de visée. Yeah, yeah, yeah. J'adore ça. Allez, je sais que vous êtes là. Assez fort quand même. Peut-être que j'utilise l'arbalète, j'ai pas utilisé une fois depuis le début du jeu. Ça fait longtemps que j'ai commencé le jeu quand même. Hein. Je voulais de soumis à la liberté. 1. Résister est dans la nature humaine. Qu'il s'agisse de résister au changement, à l'autorité ou au désir, le prix à payer, mental comme émotionnel, pour cette résistance dépasse souvent les bénéfices engrangés. L'univers par sa construction est trop bien organisé, trop parfait. Comment pourrions-nous croire qu'une telle perfection soit le fruit du chaos? J'ai mis l'hypothèse d'un plan pour moi, pour vous, pour chacun d'entre vous. Certains disent que toute chose a sa raison, certains appellent ça le destin. Quoi qu'il en soit, malheur à ceux qui le tentent, qui tentent de le rester. Je sais pas si j'ai tous les dossiers pour le moment ou pas. Ah, pochette améliorée. Aucun signal. Du fait qu'on est dans une zone assez spéciale du jeu. Non, pas de signal. Maintenant qu'on a fait ça, on va retourner là-bas pour récupérer la statuette. T'es déjà au sol, mec.
Le one shot au sol, très puissant, qui coûte rien. Une nouvelle clé. La torture trompée. Plutôt puissante comme arbalète. Prochain save point, on va arrêter la VOD là pour passer au prochain épisode. Et on tourne la manivelle. Allez. Voilà. Un signal. Juste en avant, je dis qu'il n'y en avait plus. Cartouche de fusil. Attends, une carte seulement. Que je recharge mon arme. Pas de résonant. Bon. C'est que tu es là derrière les caisses. Déjà le coup une fois. Ah non, un passage, je prenais à côté. Certainement parce que la zone était fermée. Lui ne sera pas vivant. Lui. Bah, tu commences à comprendre les mécaniques du jeu quoi. On recharge là les deux nouvelles balles. Ouais, bien sûr, c'est pas. Pas prendre de risques. Non, la preuve, il n'y a pas ton cadavre. À moins que ce soit celui-là là-bas. Là-bas, je veux dire. Oh, on a vu un petit instant, on est toute nue. De la poêle. Et là, il fermait. Préparez-vous autour sur un nom. Tu sais que t'as beau avoir les yeux rouges, je t'ai tué, hein. N'est-ce pas?
Tu te relèves, je vais faire une crise cardiaque. Voilà, ils sont fermés. Bon. Vous devez descendre pour trouver ce que vous cherchez. Ce n'est qu'en sombrant que vous pourrez vous élever à nouveau. Oh non. Oh là, j'ai pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Derrière toi. Pas du tout, je pensais. J'ai déjà 1h10 de vidéo, c'est pas grave. Vous avez tout perdu. Vos échecs vous ont d'abord conduit à l'inaction, puis au désespoir. Et ensuite vient l'autodestruction. Ah, le méchant de la pub. Vous avez causé votre propre merde. Et ça, c'est la fin de la pub dans... Ou avant qu'ils annoncent la date. Hein. Ok. Normalement, j'ai un peu de vue les phases. Tu n'as pas cru ta femme. Tu as refusé de voir. Tout est ta faute. Tu es un raté. Ta fille est perdue à cause de toi. Tu n'as pas pu la sauver. Et le mur va exploser. Vous avez la clé pour apaiser vos tourments. Ah non, même pas. Je peux vous guider jusqu'au verrou. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Il s'appelle Gunther. Il veut te faire faire cuir moustache. Stylé quand même. Donc là, c'est comme au début où on vient de rentrer dans le système. Vous ne pouvez pas changer le passé. Seulement l'accepter. Oui. Embrassez-le. Ne l'évitez pas. Pas moi qui avance, hein. C'est. Lily? T'as de beaux yeux, tu sais. Et on se retrouve au tout début. J'ai pas demandé un flambi, hein. C'est bien aussi. Attendez un petit peu, s'il vous plaît. La porte de sortie. En fait, le fusil à pompe est pas si mauvais que ça, hein. Quand tu sais t'en servir, c'est bon dommage. Utiliser un peu d'électrique. L'arbalète n'est pas très utile dans le jeu, clairement. Ah bah non, voilà des carreaux normaux. Carreaux harponneur. Stefano m'a défié. Il est devenu une épine dans mon pied. Une épine que vous avez ôtée. Pour ça, vous serez récompensé. Stefano. Ce type le connaissait. Oui, parce que c'est la personne qui voulait le pouvoir de Lily. C'est assez obvious, non? Hein? Cheval! Ah bah, magie du jeu vidéo a jamais été aussi présente dans le jeu. Le miroir. Oula. Et quelque chose de bizarre.
Bon, alors on va crafter 3. Hop hop. Amélioration d'armes. Qu'est-ce que... Allez. Je sais pas. Hop, comme ça. Ok, on va s'arrêter là pour ce 6e épisode pour YouTube. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime sur toute la chaîne. C'était Tostel, manger du manager. Passez une bonne journée, bonne soirée, du plaisir vidéo.